Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Guerlain pour la simple et bonne raison, c'est que ce matin j'ai eu la chance de participer à un atelier découverte de soins, de maquillage de la marque Guerlain et je voulais vous partager un petit peu tout ce que j'ai pu tester, donner mon avis. Malgré que je n'ai pas eu les produits sur une longue durée, je les ai eus sur l'équivalent d'une heure et demie, mais je voulais quand même vous donner mon avis par rapport à ce que j'ai pu tester, ce que j'ai pu remarquer et voir dès la première application, ainsi que les produits que j'ai, les échantillons que j'ai reçus, etc., etc. Petit papier, ma consultation de soins, donc vous avez un petit peu tous les produits de certaines gammes. Donc la gamme duo, c'est la gamme orchidée impériale, la gamme du milieu, c'est abeille royale, et celle qui est en bas, c'est la super aqua sérum. Je n'ai pas essayé la super aqua sérum, j'ai juste essayé quelques produits de la gamme orchidée impériale et des produits de la gamme abeille royale. Soin complet d'exception. Vous recherchez le meilleur du soin pour votre peau, un soin anti-âge global qui correspond à tous les signes visibles du vieillissement cutané. La technologie Cell Respiration. La cellule respire à nouveau, elle maximise sa production d'énergie et peut ainsi accélérer sa régénération pour lutter contre les signes visibles de l'anti-âge. Le produit concentré de longévité, c'est un produit qui est vraiment très très bien, j'ai adoré l'essayer, la texture elle est vraiment géniale car il régénère la peau intensivement. Que votre peau va paraître plus ferme, qu'elle va être plus élastique et qu'il y aura plus d'éclat et de densité par rapport à votre peau grâce à ce sérum en fait. Vous pouvez l'appliquer le matin, au bout de un mois elle paraît tout de suite défatiguée, qu'au bout d'une semaine elle paraît tout de suite beaucoup plus lisse et qu'au bout d'une semaine également elle paraît régénérée. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de monde recherche. C'est la crème contour des yeux et des lèvres, donc c'est une crème qui est assez légère où on peut, on doit, c'est pas on peut, c'est on doit en mettre légèrement, très peu, parce qu'elle est tellement concentrée que vous n'en avez pas besoin des pâtes et des caisses. Alors, c'est une crème qui défatigue le regard et je l'ai remarqué, hein, j'ai des cernes, j'ai des poches et ce matin ça m'a tout de suite illuminé le truc et je me suis dit ah ouais, elle est vachement bien cette crème. On peut l'utiliser de deux façons, on peut l'utiliser le jour. Elle a des propriétés pour le jour et la nuit. Donc pour le jour, ses propriétés, c'est qu'elle hydrate et qu'elle lisse le contour des yeux ou le contour des lèvres. Donc ça, c'est génial. Et pour la nuit, elle détoxifie. Il faut l'utiliser matin et soir et vous allez voir, vous allez constater qu'il y a un énorme changement. Lotion essence. Donc cette lotion, elle hydrate, elle prépare et apaise la peau. Donc elle prépare la peau pour recevoir d'autres soins, que ce soit des soins ou même du maquillage. Elle prépare cette peau à voilà, recevoir des choses en plus. Et ça, je trouve ça vraiment super. Elle hydrate intensément la peau. Donc on a l'impression d'appliquer de l'eau et on se dit oui, ça va servir à rien. Dans 2 heures, ma peau elle va être assoiffée, j'aurai besoin de quelque chose en plus, alors que non, pas du tout. Elle est vraiment super, elle hydrate et vous êtes sûr que bon bah pour la journée vous êtes tranquille, mais c'est pour une valeur sûre mettre quand même une crème hydratante par dessus parce que bon, elle est bien, mais c'est pas non plus une crème hydratante quoi, c'est une lotion. Abeille royale, lift, fermeté, correction des rides. Votre peau présente des ridules, des rides profondes, un manque de fermeté et d'élasticité, des signes de relâchement, un manque besoin de nutrition, elle a besoin d'être retendue. Miel pur douaissant et gelée royale exclusive, cicatrise les micro-déchirures du derme pour réparer les rides et fermeté tissulaire. J'ai pu tester la cure de la reine. Donc, c'est une cure qui va défatiguer, illuminer et fortifier votre visage. C'est une cure qui se fait, c'est une cure intensive. Donc voilà, on va pas faire un jour et puis le lendemain on va pas faire et puis on va refaire le surlendemain. Non, il faut faire les 7 jours d'affilée pour voir les effets, pour retrouver éclat et fraîcheur. Cette cure est à utiliser le matin et le soir.
sérum qui allie la richesse d'une huile, donc tous les nutriments que vous avez besoin qui sont dans une huile, mais qui a la fraîcheur d'une lotion. On peut la mettre avant sa crème de jour ou de nuit, puisqu'on peut l'utiliser le matin ou le soir, ou même avant un masque. C'est-à-dire que si vous mettez cette huile-là avant un masque, et ben ça va absorber deux fois plus vite toutes les propriétés du masque que vous allez faire. Ce que vous pouvez constater après une semaine d'utilisation, c'est que votre peau, elle est réhydratée, qu'elle est plus lisse et rebondie, qu'elle est lumineuse et qu'elle est tout de suite plus élastique. Double R, donc c'est leur tout nouveau produit qui est sorti récemment. C'est vraiment un produit de dingue, voilà. Comment je peux l'expliquer, c'est un produit de dingue. C'est un produit qui va vous apporter éclat et fermeté. Ces deux sérums, il y en a un qui répare et il y en a un qui régénère la peau. Donc la bouteille se présente comme ceci en grand format. Vous pressez et ça mélange automatiquement les deux sérums en un. Donc vous l'appliquez, ça vous apporte, comme je vous ai dit, éclat et fermeté. Ça lisse la peau, votre peau est tout de suite plus élastique et vous allez voir que vos rides et vos ridules sont tout de suite moins visibles, et plus vous allez l'utiliser et moins vos rides et ridules seront visibles. Donc il a une couvrance vraiment légère, donc après c'est légère si vous utilisez un pinceau, mais moyenne si vous utilisez une petite éponge et qu'on vient tapoter légèrement. Donc moi ce que j'ai fait d'abord avec l'éponge, histoire de bien tapoter de partout, et ensuite j'ai rajouté une petite fine couche au pinceau, histoire que ça soit un petit peu plus opaque. Donc leur nouveau rouge à lèvres Kiss Kiss qui viennent de sortir, ils sont... Oh, je les adore. Ils ont une texture très crémeuse, avec un fini brillant. Et on va dire, une fois qu'ils commencent à s'estomper, puisque bah, j'ai mangé, j'ai bu, mais il me reste quand même, comme vous voyez, une légère couleur. Testez donc leur nouveau blush et highlighter. Donc c'est un duo de blush et highlighter. Soit on mélange les deux, on met ça comme du blush. Soit on fait vraiment la partie highlighter, vraiment la partie blush. J'ai été un petit peu déçue de l'highlighter, c'est vraiment pas pigmenté. Donc c'est pour ça, c'est beaucoup mieux de le mélanger avec le blush. Et on l'applique et la couleur est très jolie. Par contre le blush est très pigmenté, donc bien faire attention à ça. Dans les échantillons que j'ai reçus, donc j'ai reçu celui-ci, donc le sérum double R que j'ai testé et que j'ai adoré. J'ai reçu un lait pour le corps parfumé de Montguerlain, donc c'est leur nouveau parfum, qui sont très très bons d'ailleurs. Un échantillon de Montguerlain, le or blanc. J'ai également eu donc huile en eau jeunesse. Donc, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le packaging, sachant que c'est un échantillon, mais le packaging en grand est exactement le même. J'ai une miniature donc de Montguerlain or rose gold. Oui, c'est ça, or rose gold. Donc c'est le troisième, puisque de cette gamme là il y en a trois. On a un petit bracelet, alors je ne l'ai pas encore ouvert. On a un petit bracelet avec une petite rose, ouais c'est ça, une petite rose en métal. Donc voilà, c'est un bracelet en tissu. Une petite pochette très jolie, j'adore, c'est un peu comme du daim. La couleur est très jolie, hein, un rose poudré magnifique. Donc voilà, une petite pochette, par exemple, vous pouvez vous en servir comme porte-monnaie. Ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est dans une petite pochette. Vous avez le blush dans une petite pochette, donc c'est vachement bien. C'est très galant, j'ai envie de dire. Le blush, comme ceci, petit miroir. Juste ici, vous avez une petite houppette avec marqué Guerlain dessus, la petite houppette, un petit film plastique, et ensuite vous avez donc le blush ainsi que l'highlighter. Le crayon, je vais vous montrer, il a une particularité qui est assez étonnante, mais je trouve ça très pratique. Donc le petit taille crayon, hein, classique, Guerlain, voilà. Donc vous avez la partie
crayon. Et de l'autre côté, vous avez une partie en mousse. Et pour terminer donc dans les produits, j'ai le mascara. Donc cils d'enfer volume, saut volume, en teinte 1 noir, black. Et je l'adore. Donc c'est leur tout nouveau qui vient de sortir. Le packaging est vraiment très sympa, mais ça, c'est Guerlain. Et ce que j'adore, c'est que leur embout, c'est un bout en plastique avec des picots. La vidéo vous a plu? Laissez-moi des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous, si vous, vous avez testé, qu'est-ce que vous aimeriez tester, si vous avez déjà des produits, si... Dites-moi tout en fait, je veux tout savoir, même si vous me dites j'ai sorti mon chien, bah super, je peux le savoir. Donc voilà, un petit commentaire, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager histoire que bah on puisse être de plus en plus nombreux sur la communauté, ça serait vraiment génial. On commence petit à petit à s'approcher des 700 et je vous remercie énormément de me suivre, ça me fait énormément plaisir. Je vous... ça me fait chaud au cœur de voir vos commentaires et de voir que bah, vous êtes toujours là et que vous me suivez et que vous me donnez des petits conseils. Et ça, bah, je vous en remercie et je vous en remercierai toujours.